Un de moins. Un piège. Les monstres ne posent pas de piège. Il y a quelqu'un ici. Problème résolu. Attention, Geralt. Il y a des pièges partout. Un de moins. Quelque chose cloche. Problème résolu. Un piège. Problème. Un de moins. C'est une sorte de grenier. Il faudrait que j'arrive à grimper. Ça devrait suffire pour atteindre l'étage. Voyons un peu ce qu'il y a là-haut. Tous mes pièges. L'étau ? Oui, moi non plus, je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu es l'un des leurs. L'un des leurs. Des mercenaires, des chasseurs de primes, des fils de pute. Tout dépend du point de vue. Tu n'as rien à craindre de moi. Je suis ici par hasard, en fait. Le hasard n'est pas tendre avec toi, on dirait. Jusqu'à récemment, cet endroit était infesté de ghouls. C'est une bonne idée, de se cacher dans un manoir infesté de monstres. Oui, au moins je suis sûr que personne ne débarquera par hasard. Quant aux autres, eh bien, je les attends. Des assassins ? L'empereur veut ma peau. Je suis, comme qui dirait, un témoin gênant. Ces assassins sont à mes trousses depuis que j'ai quitté l'Ordre. Ça explique la présence de tous ces pièges ? Je suis devenu prudent. Je comprends pourquoi. Ne ressemblent pas à des voyageurs égarés. Ce ne sont pas des voyageurs. Louis m'a trahi. Louis ? Un vieil ami. Enfin, c'est ce que je croyais. C'est lui qui m'a recommandé cet endroit. Tu ne crois pas qu'ils auraient pu te retrouver par accident ? J'ai passé l'âge de croire aux coïncidences. Je vais me débarrasser d'eux. Tu me donnes un coup de main ? Je te suis. Tu as un plan ? Ouais, on improvise. Quel ramassis de crétins. Ils ne sont pas très bien armés pour des assassins. Ce sont juste des éclaireurs, venus vérifier si Louis ne leur a pas menti. Les autres ne doivent pas être loin. Et ton vieil ami doit probablement savoir où. Lui seul savait où me trouver. C'est forcément lui qui m'a trahi. Je crois qu'une petite discussion s'impose. J'aimerais bien voir ça. Ça pourrait être intéressant. Viens avec moi. Deux sorceleurs, ça devrait lui délier la langue deux fois plus vite. Ne t'éloigne pas de moi. C'est le genre d'endroit difficile à trouver si tu ne sais pas où chercher.
Ce fameux Louis, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment ton meilleur ami, je me trompe? Tu sais comment ça se passe dans notre métier. Tu bois un verre avec quelqu'un un soir, et le lendemain matin, tu t'es fait dévaliser. Tu l'as rencontré où? C'était avant la mort de Paul Best. Louis était recherché en Illyria. Il y avait une belle prime sur sa tête, et je n'avais rien de mieux à faire. Alors j'ai décidé de l'attraper, histoire de renflouer ma bourse. Je n'ai pas mis bien longtemps à le retrouver, le bougre. Il faisait des galipettes au pendu doré, en plein cœur de Hague. Je lui ai mis la main dessus et je l'ai ligoté. Mais comme le poste de garde n'ouvrait pas avant l'aube, on a commencé à discuter. Juste pour tuer le temps, tu vois. En fin de compte, on a sympathisé et je l'ai laissé partir. Et tu as vraiment cru que ça suffisait pour lui faire confiance? J'ai été con. La connerie, ça se paye. Mais la trahison, encore plus. Leto, quelle bonne surprise! Ça me fait plaisir de te revoir! Ah oui? Bien sûr! On est vieux amis, pas vrai? Et lui, c'est qui? Gérald de Rive, sorceleur. Quoi? Vous aussi? Il y a un contrat juteux dans la région, c'est ça? Asseyez-vous. Je vous sers quelque chose à boire? Je ne bois pas avec les rats et les traîtres. Oula, doucement. N'oubliez pas, vous êtes chez moi, ici. Les hommes d'Arnoud Vester se sont pointés au manoir. Toi seul savais où je me trouvais. Ça fait un moment qu'ils sont à tes trousses. Tu l'as dit toi-même. Ils ont peut-être tout simplement fini par retrouver ta trace. Oui, grâce à toi. Ça fait deux fois en moins de 5 minutes que vous insultez mon honneur. Les reclures comme toi n'ont pas d'honneur. Attention, les gars! Ce sont des sorceleurs! Sorceleurs n'attirent pas les humains! Cette fois, on va faire une exception. Ne bouge plus si tu ne veux pas te vider de ton sang. Dis-moi où sont les hommes de Vester et je te donnerai de quoi arrêter l'hémorragie. Ils sont à... Valtilleul, au nord d'ici. Dites-moi, juste par curiosité, combien vaut la vie d'un vieil ami? Les affaires tournaient au ralenti. Et puis les escadrons noirs nous sont tombés dessus. Alors, quand Vester m'a offert la moitié de la prime sur ta tête, Leto, et une lettre d'absolution de l'Empereur... Faut me comprendre. Je pouvais pas refuser une offre pareille. Je comprends. Hé hey, me laisse pas crever! Faut me comprendre, Louis. On trahit pas les types dans mon genre. Je vais rendre une petite visite à Vester. Je viens avec toi.
de pute. Passez vite, tablette. On y va. Arnaud Vester, c'est un nom Nilfgaardien. Il vient de Métina, je crois. Mais il a bourlingué un peu partout, de l'extrême sud au Mont des Dragons. C'est bizarre, je n'ai jamais entendu parler de lui. Tu le connais peut-être sous un autre nom. Brendel Wilfe, Apo Saxon, Manfred Risette. Manfred Risette, joli nom pour un bouffon. Ça n'a pas fait rire ses victimes, tu peux me croire. Sa méthode préférée, c'est d'arracher les dents, une par une. Puis de trancher les joues d'une oreille à l'autre. C'est comme ça qu'on punit les mauvais payeurs dans les bas-fonds de Nilfga. Et maintenant, le voilà au service de l'Empereur. Belle carrière pour une petite frappe. Ouais. La merde, ça remonte à la surface. Ouvre bien les yeux. Tu crois vraiment qu'ils sont là? Aucune idée, mais je préfère être prudent. Jolis chevaux. Oui. Ils doivent valoir plus cher que tout le village. Il y a quoi dans la grange? Du foin. Il y a quelqu'un là-dedans? Va trouver tes parents. Emportez vos objets de valeur et fichez le camp loin d'ici. C'est compris? Bien. Et donne ça à ta mère. Allez, file maintenant. C'était quoi, ça? Une compensation. Reste ici. Et n'interviens surtout pas, quoi qu'il advienne. Bouge-toi les oreilles. C'était quoi ce bruit? On aurait dit un coup de tonnerre. Fermez-la. L'étau de Gouletta. Quelle bonne surprise. Tout le monde a l'air content de me voir aujourd'hui. C'est normal. Tu vas faire de moi un homme riche. Ah, et combien je vaux maintenant? Suffisamment pour me payer un lopin de terre au Covir, où je compte finir mes jours en m'en mettant plein la panse. Pas mal. C'est pas donné à tout le monde de connaître sa cote. La plupart des gens préfèrent ne pas être mis à prix. Mais que fais-tu ici? Tu m'offres ta tête sur un plateau? Oh, on passait juste dans le coin alors. Je me suis dit que ce serait une bonne occasion de rencontrer le célèbre Arnaud Vester. Je suis flatté. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir faire plus ample connaissance. Pourquoi? Tu es attendu ailleurs? Non, parce que tu vas bientôt mourir. Tu ne me connais même pas et tu veux me tuer? C'est pas très gentil. Je dirais même que ça mérite une punition. Mais je suis magnanime. Je vais juste te trancher les mains. Vous tranchez les mains, à tous, les uns après les autres. Vos moignons vous rappelleront votre erreur jusqu'à la fin de vos jours. Bordel de merde, mais t'es con ou quoi? J'ai même pas pu échanger deux mots avec ce type. Mais il m'a provoqué. Quant à toi, on n'a rien contre toi. Mais au moindre geste suspect, tu... Je quoi? Tu finiras comme lui. Alors,
Qu'est-ce que tu dis de ça? Je ne veux pas me mêler de vos affaires. Sage décision. Emballez sa tête. Ensuite, on quitte ce trois. Hein. Bas les pattes. S'il vous faut une preuve, prenez son médaillon. C'est sa tête qu'on veut. On est trois, et toi t'es tout seul. Peut-être. Mais avant même que j'aie eu le temps d'arriver, Leto a liquidé six d'entre vous alors qu'il était blessé. À votre avis, combien de temps il nous faudra pour vous tuer? Ben, prends son médaillon. Sa grosse caboche aurait sans doute pourri avant même qu'on arrive. Scellez les chevaux, on s'en va. Du venin zangouébarien. C'est louche. T'es encore là? Encore heureux, sinon il t'aurait décapité. Tu t'es rendu utile, en fin de compte. Tu aurais pu m'expliquer. Oui, mais ça aurait été moins drôle. Tu trouves ça amusant? Doucement. Je viens tout juste de me relever d'entre les morts. Le venin zangouébarien pourrait bien avoir ta peau, tu sais. Tu as l'antidote? Oui, dans ma sacoche de sel. Une gorgée et dans deux jours, on n'en parlera plus. À quoi rime toute cette mascarade? Je te l'ai dit. Je suis devenu une proie depuis que j'ai quitté Lokmuin. J'ai même failli crever dans une embuscade. Alors j'ai décidé qu'il était temps d'en finir une bonne fois pour toutes. J'ai trouvé le gang de Vester, et j'ai soudoyé son arbalétrier. Et tu viens de vivre le reste de l'histoire. Et Louis, il faisait partie du plan, lui aussi? Non. Je n'avais pas prévu ça. C'est sûr, sa trahison m'a donné à réfléchir, mais c'était un risque à prendre. Et je ne regrette pas de l'avoir pris. L'étau de Gouletta est désormais mort. Et la nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre. Il ne me reste plus qu'à disparaître. Tu pourrais te cacher à Kaer Morhen. Avec tes amis de l'école du loup? Non, merci. Ça risquerait de mal finir. Dis-leur que tu viens de ma part, ils comprendront. Kaer Morhen. Oui, pourquoi pas. J'ai encore deux, trois choses à régler, mais ensuite j'irai là-bas, ouais. Tu as besoin d'autre chose? Non, merci. Ça va aller. Bien. On se revoit à Kaer Morhen, alors. Oui. Au revoir, Leblanc.